Là, on est dans la cour de la maison d'amis, qui s'appelle la maison chez Jean-Luc. Fait qu'on est au cœur du village à Saint-Élie-de-Caxton. Là, si j'ai une affaire, on se dit tout, là. Hein? Oui, je faisais le temps des sucres avec mon père. Mon père il est décédé il y a 12 ans, mais je faisais des sucres avec lui au départ. Ça, c'est un chalumeau qui appartenait à mon père, parce que j'ai récupéré ses 200 chaudières. Puis ça, donc ça bloque le temps. Tu peux pas partir pour aller faire je sais pas quoi, ça va bouiller, ça se peut que les chaudrons débordent. Il faut que tu sois là devant ce feu-là, parce que les 39 gouttes qu'on va évaporer pour la goutte qui va rester, ça, c'est des heures assises dans les chaudrons à chauffer le poêle. J'ai une vie qui est beaucoup dans le faire. T'sais. J'aime beaucoup faire les affaires, faire des projets, monter des patentes, créer des moments. Puis ça oblige donc à l'arrêt. Fait que c'est peut-être cette affaire-là que je vais chercher beaucoup aussi dans cette activité-là qui est celle de faire les sucres. T'sais, cette histoire-là pandémique a ramené un rapport au temps puis un rapport au petit projet qui est différent d'avant. Ça me fait rire de vous présenter cet objet-là. Et je sais pas pourquoi ça me fait rire. On dirait que je trouve une belle affaire dans la poésie de ce que je vais te montrer, là, mon petit chalumeau, puis ça. Si je trouve la scie mécanique moins poétique, je fais du bois de chauffage, j'en offre et j'en vends à des amis. Moi, j'ai un petit tracteur John Deere, là, puis je mets ça dans les boîtes. La boîte, elle contient une corde pile. Puis là, tu pars avec ta boîte, puis tu te prends dans le village, puis tu arrives chez Agapi ou chez Mario. Tu déposes ta boîte, le contenant est consigné. Il te rappelle, la boîte est vide. Tu vas rechercher la boîte, tu vas la remplir, tu ramènes une deuxième boîte. Tu sais, il y a une aventure, il y a un plaisir, il y a une rencontre avec mes amis avec qui je bûche. Je me suis mis à élever je pogne des chenilles, puis des chenilles de monarque, de papillon monarque. Fait que je fais ça tout l'été. Ça, je trippe à faire ça. Là. Ça, c'est magique. Fait que là, j'ai, mettons, les bocaux en vitre. J'ai les moustiquaires, qui fait que je vais garder captives les chenilles que je vais poigner. J'ai mes petites cacanes avec du sable dedans et une petite branche qui vont servir une fois que le papillon va être en chrysalide. Je vais l'attacher sur une petite branche. Puis là, souvent, je vais partir avec la canne. Avec la petite chrysalide, puis je vais aller l'offrir à quelqu'un. Fait que tu mets ça sur sa table de cuisine, puis lui, un matin, il va se lever, la chrysalide va être vide, mais il va avoir un papillon quelque part dans sa maison. Il a un plaisir ajouté dans le geste de donner. Richard Desjardins, c'est dans quel ton il dit « Ce qui n'est pas donné est perdu ». Pour moi, il y a un sens obligé dans cette affaire-là, du partage, du don. C'est qu'on est dans une petite thématique forêt, on dirait. Fait que ça, c'est un opinel. Qui a été conçu exprès pour la cueillette des champignons. On pourrait aller à IGA puis acheter des pleurotes et se les virer dans le beurre. T'sais. Mais là, si tout à coup, un matin, tu retournes voir ta souche où tu avais vu des pleurotes que tu as vues trop tard puis qui avaient commencé à flétrir, tu sais qu'il y a un cycle puis qu'à un moment donné, il va repousser de la pleurote sur cette souche-là. Tu pars à ta souche. Il y en a. Ils sentent l'anis. T'es cueille, tu ramènes ça chez vous, t'es nettoyé, tu manges ça pour souper. Il y a une grande leçon d'humilité dans la rencontre qu'on peut faire avec la nature. Un cornet? Moi, j'aime la crème glacée molle. Puis c'est drôle de jouer aux objets parce que ça amène à des confessions, tu sais, qu'on ferait pas autrement. Puis moi, je mange beaucoup de crème glacée. Ben, j'aime beaucoup la crème glacée molle. Puis cet été, on était rendu à l'étape où que, tu sais, je disais, mettons, à mon fils, on te mange une molle? Oh, pas aujourd'hui. Fait que, c'est ça. C'est un petit péché que j'ai. Ben, en période estivale, je dois avoir un taux de molécules, de molécules molles. C'est qui parlait des molécules? C'est Raoul Duguay, je pense, qui parlait de ça, des molécules molles. Mais je dois avoir de la molécule de molle. Là, tu sais. Mois de novembre, là, sont plus rares, les crèmes glacées que je mange, mais ils ont fermé le 15 octobre. Puis elle m'a vendu un gâteau, la madame du rond-point de la couronne. Puis là, je l'ai payé, mon gâteau, à crème glacée, puis il a vraiment appelé, je pense. Puis je vais aller le chercher à Noël, dans la semaine qui précède Noël. J'espère qu'elle va repartir sa machine.
Si oui, là, je pense la semaine. Je sais pas s'il offre l'hébergement, là.